السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. لازلنا مع سلسلة التحضير للفروض، وهذه المرة مع تلاميذ السنة الثانية متوسط. أذكر الجميع بأن القناة فيها فروض واختبارات لجميع المستويات من السنة الأولى متوسط إلى السنة الرابعة متوسط. يمكنكم الرجوع إليها من خلال أو عن طريق قائمة الفروض الاختبارات بلاي ليست. هذا الفرض الذي ترونه اليوم في الوقت الذي أتحدث فيه الآن لم ينشر في أي قناة ولا في أي موقع إلكتروني، يعني هو حصري على قناتنا. سوف أترك لكم أيضا في صندوق الوصف روابط فروض أخرى خاصة بالسنة الثانية متوسط، وأذكر مجددا بأن بقية السنوات لها أيضا نصيبها موجودة في القناة، يمكنكم الرجوع إليها في أي وقت. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر المتابعة ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. On va lire le texte ensemble. Il y a bien longtemps, tout près d'une forêt, vivait misérablement un bûcheron, sa femme et leurs deux enfants, Stéphane et Hélène. يعني كان يعيش حطاب مع عائلته بشكل يعني كانوا في وضعية مزرية، كانوا يعيشون بالقرب من غابة. Ça c'est ce qu'on appelle la situation initiale. مقدمة القصة. Le conte. La suite. Bien la suite d'événements. Un jour, alors qu'ils n'avaient rien à manger. إذا لاحظتم le القصة الخيالية التي تسمى بـ le conte دائما لها عبارات تبتدأ بها، هي تقسم على ثلاث أجزاء. الجزء الأول هذا هو ce qu'on appelle la situation initiale. Elle commence par une formule d'ouverture. Il y a longtemps, il y a bien longtemps, il était une fois, en des temps très anciens, etc. عبارات تحفظ. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la situation ou bien la suite d'événements. يعني الأحداث. لها أيضا عبارات خاصة مثل un jour, un soir, tôt le matin, etc. وفي النهاية la situation finale يعني الخاتمة تكون غالبا سعيدة. لها أيضا عبارات تبتدئ بها مثل depuis ce jour. On termine la lecture. Un jour, alors qu'ils n'avaient rien à manger, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. Après avoir marché longtemps, Stéphane et Hélène aperçurent une lumière qui venait d'une petite cabane. يعني تخلوا عن ابنائهم بسبب فقر. بعد أن تمشى ستيفان وإيلان تمشيا في الغابة، لاحظا ضوء ينبعث من بيت. Une petite cabane. تقربا طبعا من بيت. On termine la lecture. Ils frappèrent à la porte de celle-ci. يعني طرقا على الباب. Une vieille femme ouvrit et les invita à y entrer. ما طبيعة هذه المرأة؟ سوف نكتشف ذلك. C'était une sorcière. يعني كانت ساحرة. Elle enferma Stéphane et ordonna Hélène de lui préparer les repas. يعني سجنت ستيفان الولد وطلبت من إيلان أن تحضر له الوجبات بغرض ماذا؟ On va découvrir ensemble. Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai. Pensa la méchante sorcière. يعني كانت تطعمه ليكبر وتأكله لاحقا. يعني حتى يصبح وجبة دسمة بعبارة أخرى. On termine la lecture. Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Stéphane, qui avait longtemps réfléchi à la façon de se sauver avec sa sœur, فكر كثيرا في طريقة النجاة. Qu'est-ce qu'il a fait? يعني خطرت ببال الفكرة. Attira la sorcière près du four. يعني استدرجها بالقرب من الفرن. بعد ذلك سيقوم بتفعيلها. On va lire ensemble. D'un grand coup de pied, elle la poussa dans la marmite. دفعها في القدر الكبير. Avant de s'enfuir. يعني قبل أن يهرب. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants, ماذا فعل؟ Les enfants prirent tout l'argent de la méchante femme. يعني سرق الجميع الأخذ بعبارة أخرى جميع الأموال الساحرة. Et retournèrent chez leurs parents les poches pleines de pièces d'or. وجيوبهما مملوءة بالقطع النقدية. هذه قصة خيالية بطبيعة الحال، يعني لا علاقة لها بالواقع. Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison. يعني أصبحوا جميعا الأب والأم والأطفال سعيدين وعاشوا سعداء ككل القصص الخيالية تنتهي غالبا بهذا الشكل. On va passer aux questions maintenant. Coche la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il décrit un lieu? يعني هل يصف مكان؟ Non, bien sûr. Est-ce qu'il raconte une histoire réelle? قصة حقيقية؟ Non, bien sûr. Est-ce qu'il raconte une histoire imaginaire? Oui. Donc, بالمناسبة. Le conte, la fable et la légende. يعني le projet 1, projet 2, projet 3, toujours. Si vous avez cette question, sans réfléchir. بدون أن تفكر دائما تختار une histoire imaginaire. Ça, كلها قصص خيالية. Donc, on va cocher. لأنه المطلوب. دائما نتقيد بالسؤال. كوش
on doit cocher. Donc souligne, on souligne. دائما يعني أكرر وأؤكد على هذه الملاحظة دائما نتقيد بالمطلوب. Deuxième question. Relis le texte puis complète le tableau suivant. يعني à partir du texte on va compléter le tableau. La formule d'ouverture c'est ça. دائما تكون في البداية. On va faire copier-coller et on met la formule d'ouverture ici. Après vous avez les personnages. Il y a bien longtemps. Les personnages, vous avez le bûcheron, sa femme, Stéphane et Hélène, et vous avez la sorcière. Donc on va les écrire ici. Le bûcheron et sa femme. Ensuite vous avez Stéphane et Hélène, et vous avez la sorcière. Sorcière, c'est ça. Les lieux cités. Bon, vous avez tout d'abord une forêt. Vous avez aussi une petite cabane. Et vous avez une belle maison. Donc on va les écrire ici. Les lieux, yani l'amkina al-madkoura, les lieux cités. On va dire la forêt. La forêt. Une petite cabane. Et une belle maison. Ok, donc un texte, une maison, une cabane, tout simplement, pas besoin de rajouter les adjectifs. Donc, 3 répond par vrai ou faux. Toujours on vérifie dans le texte. Yani, pour répondre par vrai ou faux, il faut comprendre la phrase et la chercher dans le texte ou bien chercher l'équivalent. Yani, tabhat an jumla fi nas ou ma'na jumla. Li ta'rif idha kanat sahiha ou khati'a binisba li nas. Stéphane et Hélène sont frères et sœurs, bien sûr. Donc, c'est vrai. On va écrire vrai. On va mettre ça en gras, en rouge, pour que vous puissiez voir clairement la réponse. On termine. Leurs parents étaient riches. Non, c'est faux. Au début, ils étaient pauvres. C'est pour ça qu'ils ont abandonné leurs enfants. Ensuite, vous avez... Ils rencontrèrent une fée serviable et gentille, une djinnia. Non, c'est faux. Ils rencontrèrent une sorcière. C'est faux. Il faut toujours lire le texte. يمكنكم أن تعودوا للنص وتتفقدوا أو تتحققوا من الإجابات بأنفسكم. سوف أترك لكم رابط تحميل الموضوع في صندوق الوصف أيضا لمن أراد أن يتمرن ويراجع أكثر. Hélène et Stéphane sont prisonniers chez la sorcière. Étaient prisonniers plutôt. Ils étaient. Parce que c'est, on doit employer les temps du passé. Était prisonnier, pardon, chez la sorcière, c'est vrai. Yani kana masjunayn 'ind had al-sahira. Donc c'est vrai. Question 4 maintenant. Souligne la bonne réponse. Les bûcherons, abandonnèrent leurs deux enfants dans la forêt parce que limada takhallaya 'an atfalihima. Parce que A, vous avez. Ils voulaient les punir. Yani liyu'aqibahuma. B. Il n'avait rien à manger. C. Il ne les aimait pas. Donc la réponse, bien évidemment, est la réponse B. La réponse juste. Il n'avait rien à manger. Ils étaient très pauvres. Question 5. Relève du texte un CCM. CCM, c'est quoi? Complément. Circonstanciel de manière. Vous avez aussi étudié le CCL et le CCT. CCT, yani le temps. Complément circonstanciel de temps. CCL, c'est le lieu. CC, pardon, complément circonstanciel de lieu. Al-makan, zaman, wa al-kayfiya. Am, yani kayfiya. Ça pourrait être un adverbe. Donc, on va chercher ensemble dans le texte. Vous avez au début, ici, il y a bien longtemps, tout près d'une forêt, vivait misérablement. Pour trouver le CCM, on pose la question, comment? Comment vivait le bûcheron et sa femme? Ils vivaient misérablement. Yani, kanu ya'ishoun, bishakl. يعني مزري كانوا في فقر مدقع. Donc on va faire copier-coller misérablement. C'est ça la réponse. B, on cherche aussi dans le texte, on relève, c'est ça, un mot de même famille que heureusement. Le mot, vous l'avez à la fin, heureusement. Nous avons ici heureux. Donc ce sont deux mots de la même famille. يعني لهما نفس يعني لهما عامل مشترك إن صح التعبير. Et c'est ce qu'on appelle en français le radical. Le radical. لهما نفس le radical. Question 6. Réécris la phrase suivante en remplaçant le bûcheron et sa femme par Stéphane. يعني تعود هذه le bûcheron et sa femme. C'est pluriel.
Par Stéphane, c'est singulier. Bien évidemment, tu changes les terminaisons. Yani, tu aurais les terminaisons parce que le pluriel n'est pas comme le singulier. Donc, ici, vous avez Stéphane. Le bûcheron et sa femme vont écrire Stéphane directement. Stéphane. Vous avez le verbe était, ça. Donc, pluriel pour le bûcheron et sa femme. Pour le singulier, Stéphane, yani il, on va enlever ça, était, terminaison a été. Était très pauvre, s, c'est pluriel pour le bûcheron et sa femme, mais Stéphane, c'est singulier, yani mufrad, nahdif had l's. Il, nafs chez, il, Stéphane, mufrad. Vivait, nafs l'amr, vivait, c'est le verbe vivre, voilà, a été, terminaison, était, c'est l'auxiliaire être. Dans une ville, pardon, vieille cabane. Et finalement, avant de passer à la production écrite, vous avez question 7, donne un titre à cette histoire. Donc ici, vous avez plaisir, proposition. Et vous pouvez interpréter un عنوان يكون مناسب لي طبعا يتناسب مع الموضوع ou مع القصة. Par exemple, nous, on peut choisir les noms des personnages principaux. Yani, vous pouvez interpréter اسم أو أسماء الشخصيات الرئيسية وتضعها يعني إذا لم تجد عنوان آخر. دونك عندنا هنا ستيفان إي إيلان. يمكن طبعا أن تجد عناوين أخرى مناسبة، هذا مجرد اقتراح. La production écrite. Disons que ton prof t'a remis un joli conte intitulé Les trois souhaits pour le réciter devant tes camarades de classe, mais malheureusement ton petit frère a déchiré la page contenant la situation initiale. يعني لنفترض أن الأستاذ أعطاك قصة جميلة خيالية، un conte عنوانها les trois souhaits، الأمنيات الثلاث. لكن أخوك الصغير مزق يعني المقطع الأول، ce qu'on appelle la situation initiale. المطلوب منك هو كتابة هذا الجزء. من أجل كتابة هذا الجزء يجب فهم الأحداث. ها هي الأحداث أمامنا هنا، سوف نقرأ معا ونحاول أن نقترح مقدمة أتركها لكم في أول تعليق إن شاء الله. Donc, vous avez des mots que vous pouvez utiliser, des verbes, des noms, des adjectifs. يمكن أن تستعملها مثل vivre, être, avoir, vendre, mourir. On conjugue les verbes à l'imparfait bien sûr et au passé simple. Vous avez des personnages, un ouvrier, sa femme, leur fils, Omar, cabane, marché. Et des adjectifs vieux, yani qadim, ou kabir, moussin, misérable et malade. Donc, les événements, c'est ça. Un jour, alors qu'on a arrêté au marché, comme à son habitude, il aperçut par terre un sac abandonné. يعني عمر كان في السوق كالعادة وجد كيس متروك لوحده هكذا. التقط طبعا. S'approchant, il le prit et l'ouvrit. فتح. Oh surprise! Le sac était plein de pièces en or. وجد الكيس مملوء من القطع الذهبية. Fier du trésor qu'il avait trouvé, il revint rapidement à la maison et en informa sa mère. يعني عاد بسرعة البيت فرح مسرور أخبر والدته. ماذا قال؟ Elle était heureuse en comptant les pièces. ماذا قال؟ Ceci mettra fin à notre pauvreté. يعني هذا سيضع حد لفقرنا إلى نهاية القصة. أنت ماذا يعني ماذا تكتب؟ تكتب بداية لهذه القصة. إذن هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. اتركوا لنا اقتراحاتكم، اسئلتكم، انشغالاتكم، نجيب عنها على حسب الوقت المتاح ان شاء الله. في يعني انتظار فيديو اخر، اتمنى لكم حظ موفق في الفروض الامتحانات والى لقاء قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.